vous viendrez dans la room, hein, ça va. Hein, pour... c'est lui qui passe en deuxième, là. Ouais. Vous allez trop vite, hein. Prenez votre temps, gars. Ok, d'accord. Oula, bon, je suis désolé pour les gens qui sont sur le stream, mais là, comme vous avez pu le voir, il y a eu un bug. Donc, du coup, là, le jeu est en train de rattraper en fait tout ce qu'on n'a pas pu voir. Et voilà, on a un Street Fighter à 300 000 km/h. Ok, donc on arrive pile poil sur la fin du match. Et c'est Black Cat qui s'impose face à Super Mario 2-0. Bon, bah ouais. Donc, pour le moment, voilà. Du coup, on fait pas de lag test au début. Non, 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 malheureusement. On peut pas se permettre de faire des lag tests, sinon on va prendre trop de temps. Attendez que je vois avec Dave. Option de la musique, paramètres. Excusez-moi, moi je fais bien la salle. Ouais, donc à deux têtes, je me dis qu'on recommence. On recommence le match. Mario croyait que c'était un lag test. La room est bah non, mais au pire c'est pas grave, mais effectivement tu m'avais dit ça hier, tu m'avais dit que sur chaque match qu'on n'avait pas encore fait, on faisait un lag test. Bah ça aurait été logique, ça aurait été du coup là au moins pour le début je pensais faire un lag test, tu vois, pour les premiers matchs, ouais. Quoi. Mais au pire bah c'est pas très grave. Comment ça s'est passé le match? Je mets des lights devant sa gueule et le mec m'attaque quoi, genre. Ah, donc ça lag. Non, non, je lui mets. Non, ça laguait pas là. Okay. C'est juste, je mettais des lights pour le montrer que c'était un lag test, quoi. On refait la salle et. Mais c'est pas grave au pire. Vous êtes tous dans la salle ou comment ça se passe? Chine, ouais. La salle oui, ouais, moi je suis là. Je suis dans la salle. Ah, t'es dans la salle? T'as juste fait des modifs? Oui. D'accord, t'as mis en FTA. Voilà. 1-0 quand même. Ah, non. On refait le match ou pas alors? Attendez, non, attendez les gars, attendez, je m'assure que tout est... Le round, c'est FT1, voilà, c'est ça, ok, tout est ok, voilà, c'est bon. C'est bon. J'ai refait et vous allez refaire le match, mais plus tard en fait. Bah, ah, d'accord, donc De toute façon, j'ai perdu là, j'ai battu les deux au pire. Ah, d'accord, t'as perdu les deux, donc laissons tomber et continuons le défi tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça. Osre, tu peux lancer le match s'il te plaît, gros. Allez. Parce que tu passes en deuxième, c'est ça? Ouais. Ok. Bonne chance. Bon, ok les amis, j'espère que pour cette fois il y aura plus de soucis et que ça va bien se passer et que je pourrai commenter tranquillement et qu'on aura de beaux matchs à venir là parce que jusqu'à présent c'était un peu réglage de matos et coordination avec l'équipe adverse. Donc. Bon. Déjà là, ça s'annonce mal. Merci de patienter. Ça prend un certain moment. Juste, Osre, dis-moi si le combat il a commencé de ton côté. Ok. Ok. Apparemment, le match il bug. Bon. On relance. Ouais, parce que je suis même pas arrivé à la section des persos. Là. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de voir. Nous non plus, on n'a pas. J'ai pas activé la sélection des persos, je crois. Je suis pas trop sûr. J'ai fait ça pour que ça aille plus vite, en fait. J'ai pas envie que. Ouais, oui, comme ça, je l'ai prendre sur son mail. Ou... Voilà, c'est ça, et c'est réglé, quoi. Gagne du temps sur les.
C'est bizarre quand même, hein? Ouais, je pense que c'est reparti encore pour un bug de ce type-là. Va falloir recréer l'arôme, putain. Ah, La c'est question, bien c'est Street qui Fighter. c'est Ah là Boss là. Critique. Ah, on critique League of Legends, mais en vrai, hein. Moi, je suis style MS chez moi, donc. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche toujours pas? Bah non, j'arrive même pas à la sélection des persos. Je pense que c'est le CFN qui est cassé comme d'hab. Je vais recréer la room, les gars. Oh là 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 là. Bah rien, au pire Mec. on va changer l'ordre. Non, les sur Twitch. Faut quitter tout ça. Ce qu'on fait, c'est que Osri, tu passes ton tour et on va tester avec ton joueur. On va mettre soit Power. Je vais mettre Power et on va mettre ça l'an dernier. D'accord. Enfin, Power, ensuite on réessaye avec toi aussi. Si ça passe toujours pas, on met Bah, ça ils iront fond de salon en fait, hein. et refond. Ouais, apparemment. Là, on est en train de refaire le salon. Ok. Sauf qu'il s'est pris pour un mec Pokémon. Envoyez Power en premier. Reviens à la Pokéball. Attends, referme. Premier à 1, FT3. Désactiver. Alors, option de combat, là, c'est ok. Voilà, tout est ok là. Donc. Alors, c'est parti pour les invitations. J'ai tout le monde normalement. Lui, il est invité. Lui, il est invité. Ok, j'ai invité tous les ados. Ça, c'est fait. Sous le bison, il est où là? Je ne dis plus, je l'ai là. Sève. Voilà, invite. Et en dernier, on va mettre ce qui est Orsré, c'est ça? Or. C'est Osri ou Ouais. Ors? Ah, Os. Oreste. Ok. J'ai invité tout le monde là normalement. Et Powastar, il joue pas lui. Si, pas Westar joue. Ben je l'ai pas invité Powastar. Attends. Ah c'est parce qu'il n'y avait pas de place dans le chat tout à l'heure où. 1, 2. Qu'est-ce que tu m'as dit, Chim? T'as invité tout le monde? Tous les FFC sont là? Non. Alors, au niveau des FFC, il y a Samario. Il manque Power, c'est Il n'y a ça? que Samario en fait. Il y a Soul? Non, Sao? il y a Samario, Soul, Osri, vous êtes 3. Ok? Ok, donc On tourne, moi et Samario. Donc, Non, non, c'est ça. au niveau des Il ados, il y a 1, 2, 3, 4. Ils sont tous là. Il manque une dernière personne et c'est Powastar, je vais l'inviter. Voilà, invite-moi et je prends la place de Samario. Tu veux sa place là parce que tu. Ah oui, Ouais, Samario, voilà. on peut laisser sa place, exact. Ouais, vas-y. Vu qu'il est déjà passé une fois. Non, il peut rester, il y a la place en fait. C'est sauf si je Ah, il y a de la t'invite. place pour tout le monde, même Oui. avec toi en plus. Oui, même avec moi, il y a de la Ah place ouais, pour non. tout le monde. Okay. Poastar, tu me Même rappelles ton idée parce 4v4. qu'apparemment je l'ai raté, s'il te plaît, mec. Pour Astar. C'est pas Astar, Powastar. Powastar. C'est Bah non, mais là, Pow. tu vois, y a pas la place pour lui. Là, si je pars pas. Ah, d'accord, ok, Si, bah si, vas-y. on est obligé de faire une place. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, bah vas-y, Ça, c'est non, Samario. c'était AWA, pas Astar. Allez. P-A-W-A. Allô, ça c'est ce nom-là. S, voilà, c'est ça. S, T, A, A, R. Putain, merde. Powastar. Ah, c'est Pawa. Powastar. Mais oui. Ok. C'est bon. Voilà, magnifique. Alors. J'arrive pas à muter Twitch quand même sur mon mobile, c'est ennuyeux. J'ai juste l'image, quoi. À mettre fin. Voilà. Je vais essayer C'est d'inviter bon. Saul. Saul.
Donc c'est Pawa qui passe là alors, hein, c'est ça? Ouais, on va mettre Pawa tout de suite là. On va pouvoir. Bah vas-y pour Astar. Bon là j'espère qu'il n'y aura pas un souci avec le défi cette fois. Oh là 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 là. Ah c'est dur hein. Façon, si tu as pas mis, ça va faire un netcode. Ah bah c'est cool là. Ça marche les amis. Donc on va pouvoir reprendre enfin notre défi. Après de nombreux soucis au niveau du matériel et de ce serveur de Street Fighter, on y vient. Que tu sois isolé à deux pour commencer. Eux, ils veulent parler ensemble et il y a le système de lancer qui monte les enfants, tu vois. Enfin, c'est pas tout, non. Alors, pour Astar qui commence bien, qui arrive à pousser son adversaire dans le coin, ah, le bon Shoryu en entière là de la part de Black Hat. Black Hat, voilà, qui se recentre au milieu de la map petit à petit, le bon ADO. Il met beaucoup d'ADO EX, je trouve, quand même au corps à corps. Voilà, ah, il a un jeu de boule à bout portant qui est assez présent. Et apparemment, ses techniques elles marchent bien. Il est tout près de mettre son adversaire dans le stun. Pour Astar, c'est chaud. Ah, il n'a pas droit à l'erreur là. Un light et c'est fini. Ok, le bon reversal de la part de Black Cat. Aïe, 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 aïe. Ouverture de garde sèche sur ce saut. Ce saut mais jump kick de Ryu. Voilà. Enfin, c'est parti pour le deuxième round. Ok, bon petit pressing. Le Hadouken. Saut neutral, gros point. Ouf, le devant derrière juste après l'entière. Ok, la bonne chop. Le mid-tier, medium. Bon petit pressing. Ouf, ouverture en solar plexus Tatsubaki direct. La petite chop. Ok. Bien vu de la part de Poasta. Oh là 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 là. Le petit mid-stop devant derrière. La ouverture de garde. Ouf. Ah c'est violent. C'est violent les amis. Ok. Ah c'est. Oh là là là. Bien vu. Bien vu de la part de Poasta. Ah vous avez vu, hein, il a galéré un peu en début de jeu. Mais dès qu'il a réussi à ouvrir la garde, c'était direct avec le setup V-Trigger. Son adversaire était directement dans le stun. Ouf, ça fait mal. Hein. On d'entrée de jeu comme ça, là, trois gros coups, ça fait vraiment très mal. Voilà. Oula, la petite chop qui est pas passée. Bonne ouverture de garde. Ils en confirment derrière. Ouh. Bonne présence au niveau des Hadoken. Ouh là là, le Shoryuken qui est bien passé là. Ah là 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 là, le bon petit chimie. Il remet son adversaire dans le stall dans le coin. Un bon combo, max damage. La petite carotte à la relever pour choper là, le light kick. Bien joué de la part de Black Cat qui s'impose là. Et qui met 2-0 à la team FFC sur ce premier set. Ouh. Merde. J'ai été tenté de jouer, les amis. Okay. Alors, ultra platinium face à ultra diamant. Sous le bison, qui a l'habitude des Ryu, hein, qui a bien tâté du Abdes saison 1 là. Je pense que ça devrait aller s'il a pas trop oublié le match-up. Non, je pense que ça surtout contre le jeu de boules. Je pense que Soul devrait bien pouvoir se débrouiller là. Ça reste à voir. Ok. Ok. Soul qui d'entrée a vu un peu, a pu observer le match. Ça se voit qu'il a observé le match et directement il savait quoi faire. Hein. Il a absorbé la boule. Il est prêt à la placer en combo dans pas longtemps. Ok, bonne ouverture de garde de la part de Black Cat là. Voilà, le bon petit pressing. Le bas médium qui n'est pas passé. Solar Plexus, mais il n'y a pas eu de confirme derrière. Ok. La phase de Soul qui ne passe pas.
Black Cat qui a mis la garde bien comme il fallait. Ok, devant Shoryuken en entière. Ok, il avance prudemment, il décale. Voilà, bien vu de la part de Sul qui a réactivé son V-Skill là. Ok, Nitresse. Nitresse. Ok, c'est passé. Ouh. Bien joué de la part de Soul, c'est très 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 bien joué. On voit que Black Cat il se laisse pas faire, il connaît très bien le match-up, il a mis les gardes sur toutes les petites faces mytho de Ryu, de Bison plutôt. Et voilà. Donc faut faire très attention là. Ok, le bon jeu de boule, il y a un très bon jeu de boule là. Avant HK, le Nid Press. Ok, la punition qui n'est pas passée, le petit chimie qui n'a pas été bien confirmé parce que. C'était un light, je n'ai pas passé en counter-hit. Là, le bon ado encore, une fois de plus. Target combo. Il repousse son adversaire dans le coin après la petite chop. La bonne des chops de la part de Soul. Devil Reverse directement. Allez, avant HK, là. Ouh, ouverture de garde, là. Soul. Activation V-Trigger. Il a essayé de faire un devant-derrière qui a... Mais Black Cat a bien réagi. Il l'a compris. Le bon reversal de sa part. Ok, bien joué. Franchement, là, il s'adapte très vite et il joue très bien le Black Hat là. Ok, d'entrée de jeu, un bon bam et jump kick Hadoken pour casser le dash de Ryu. Ok, la balayette qui est bien punie. V-reversal de la part de Soul. Le bon Shoryuken en entière de la part de Black Hat. Ok, oulala, je pense que lui-même ça vient de le surprendre là. Il pensait pas ouvrir la garde sur Soul après ce saut. Le saut neutral là qui a été puni, mais il n'y a pas eu de confirme derrière. Donc un bon Devil Reverse de la part de Soul. La balayette qui passe là. Ok, neutral. Neutral jump à la relevée. Directement la chop qui bouffe le V Reverse Soul. Et le petit overhead à la relevée qui permet à Black Cat d'éliminer notre troisième joueur. Il est bien parti pour striker la team sur ce premier set. Hein. Bien joué à Black Cat, hein. Franchement, rien à dire. Un jeu de boules propre, de bons entières quand il le faut, une garde qui est présente et voilà quoi, il lâche pas face au pressing de Bison. Il n'y a rien à dire, moi je dis chapeau. C'est pas mal joué du tout de sa part. Donc il reste du coup Osre. Donc faudrait que là, la team ado, ben. En bout de salle, voilà, bien, bien, c'est bon, voilà, ils sont présents, ça fait plaisir, ça va vite, c'est bon, voilà, on va essayer de rattraper un peu le retard là, déjà 22 h, oula, bon, je reçois un appel, excusez-moi les amis. Chine. Oui? Osri essaye une dernière fois contre Black Cat. Oui. Si ça l'a pas, on loupe Ryuk. Il est prévenu, il nous a dit et il a dit c'est bon. D'accord, ok. Donc je mettrai Ryuk si Osre lag, c'est ça? Ça, si enfin s'il lag ou si le match ne se lance pas du tout. Bah le match vient de se lancer là, du coup. D'accord, super. Ok. Moi, s'il y a le moindre souci de trop lag trop important en programme, si ça se passe bien, c'est nickel. D'accord, ok. Bon, je repense aux commentaires là. Alors, Akuma versus Ryu. Hein. Donc c'est parti, le bon jeu de boules, un bon entière de la part de Osre là. Ok, le mythique qui est raté, la bonne punition de la part de Black Cat. Black Cat, ok, light kick directement à Hadoken. Ok, ouh, il n'y a pas une bonne punition là. Et il a stoppé son combo, il a tenté une chop qui a été déchoppée de la part de Osre. De la part de Black Cat plutôt. Ok, le bon saut là sur le Hadoken, le Hado-EX. La bonne garde, ok, l'anti-air. Ouf, le bam et jump kick qui est pas passé là. Ok, la chope. Ok. Alors un petit combo sur ce medium punch qui est passé en counter hit. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ok. Allez. Comme le round précédent, mais cette fois en faveur de Black Cat, qui a directement anti-air en début de jeu. Ado EX qui passe. Hein. Ouh là là, le bon petit chimie, le bon petit décalage, excusez-moi. Ok, BNB classique pour faire un maximum de dégâts. Aïe 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 aïe. Un perfect KO. Hein. Ça, c'était bon. Hein. À la fin, Osre qui a craqué, qui a balancé un Shoryu EX là où il ne fallait pas. Et ce fut sa fin.
Alors, le premier set qui est remporté par la team ADO, Black Cat qui a strike toute la team FFC, GG à lui, il a été propre, il n'y a rien à dire dessus. Donc là, on va lancer le deuxième set. Donc du coup, ADO Black Cat doit laisser sa place. Non, 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 faut pas. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, du coup, ils sont plus dans la room, donc je peux pas leur dire ce qui doit se faire là. C'est Black Cat qui doit changer en fait. Attends, je vais envoyer un message. Non, 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 il doit pas rejouer là en fait. Ah mais en fait il peut rejouer, bien sûr il faut qu'il relance. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi, ils peuvent relancer. Je vais Ok, vous devez lancer, hein. En fait, excusez-moi les amis, c'est moi qui me suis trompé pour les joueurs de la team ADO qui regardent le stream. ADO Black Cat pouvait continuer en fait, hein. C'est moi qui me suis trompé, il n'avait pas à quitter. Hein. Donc je sais pas si vous voulez envoyer quelqu'un d'autre ou si vous voulez le renvoyer, vous faites comme vous voulez. Et excusez-moi, du coup, moi... merde. Bah, en tout cas, chez nous, c'est moi qui vais go first à jouer. Oui, d'accord, ok. Bah, Soul doit bouger aussi. Toi, je vais lui dire. Donc là c'est parti, on a le capitaine de la team adverse, des Gerd, qui va jouer face à Poastara. Donc on a un match-up que vous avez souvent vu, Wolfchrome, Peacemug, hein? Avec un gros niveau inférieur, on va dire ça comme ça, hein? Un cran dessus, en dessous. Ok, donc c'est parti. Ok, l'ouverture de garde de la part de Samario. Samario. Ouh là là. La bonne pu. On voit que. Ouf. Ok, excusez-moi les amis, je réglais un truc rapidement avec le son. Ok, je suis de retour. Donc. Ok, ouverture de garde, activation V-trigger, setup devant derrière, c'est pas passé. Ok, la bonne garde sur la tentative de balayette là de Samario, excusez-moi, de Dead. Ok, crush counter, il se retrouve dans le coin. Mythique. Ouh, la chop spé qui a whiff là, malheureusement pour Poapstar. Poapstar qui prend la chop dans le coin et qui perd ce premier round. Bon. J'ai eu un peu de mal à commenter parce que ça allait de gauche à droite. Hein. Il y a eu beaucoup de mashing dans cette game là, donc c'est difficile à commenter une game comme ça. Oula, ouais, c'est ça. Hein. Les deux joueurs essaient vraiment d'ouvrir la garde et comptent sur leur neutral game et beaucoup sur le mashing. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ouais, ça mash énormément. Il y a beaucoup de counter hit qui passent là. Ok, la bonne garde de la part de Deg. Le bon EX, la chop, ça l'a bien beaucoup misé. Ah, crush counter qui est passé, ça fait beaucoup de dégâts. Ok, Samario qui ouvre la garde directement, qui punit correctement. Samario, le bon mythique qui est passé. Activation V-trigger et ça fait un partout. Excusez-moi, hein, je disais Samario, je veux dire Powerstar. Powerstar et sa Laura. Oula,
qui se fait ouvrir d'entrée. Bien vu de la part de Deg qui est resté sur place et qui a puni les dash là comme il fallait. Ouh, la bonne garde sur l'eau, la tentative d'overhead de Deg, la power star qui a été très très présent. Directement le dash qui a été pris en chop par Deg. Et Power Star qui réussit à certifier du coin. Ouh là là, le setup des triggers qui est un peu fail là. C'est chaud, faut pas qu'il rate. Ok. V-skill chop directement. Setup mythique à la relevée. Non, oui, non. Ok. Ouverture. Enfin, ouverture de garde de la part de Samario qui a pas pu mettre le mid-jump punch dedans afin de pouvoir tenter un reset. Ah, il est mal. Là, je pense que c'est fini. Hein. C'est chaud pour lui. Il est dans le coin. Ouh, le bon dash. Malheureusement, il n'y a pas eu d'ouverture de garde là-dessus. La chop pour Samario, le Mitty. Overhead raté. Non, il n'y a pas eu de punition derrière. Peut-être. Le match n'est pas encore fini. Le premier qui ouvre la garde gagne. Qu'est-ce qui va se passer? Tentative d'overhead qui n'est pas passé. La punition derrière parce que l'overhead de Laura n'est pas du tout safe en garde. Donc, pour ce premier match du deuxième set, on a Ado, Dead, qui s'impose 2-1 face à Poastar. Qui s'est pas mal débrouillé, hein. Malheureusement. Ce match-up-là, il est un peu... Il se joue un peu sur les frame trap, on va dire ça comme ça. Parce que les deux joueurs se sont proches du début à la fin, comme ça, là. Il y avait beaucoup de médiums qui sont passés, beaucoup de light counter hit. C'était compliqué de confirmer derrière. C'était un peu un bordel. Et c'était surtout difficile à commenter pour moi. Je voyais pas ce qui se passait. Attendez, c'est passé quoi là? Est-ce que deux gars de la team Ado ont lancé cette game? Je pense qu'il y a eu. Il y a eu un souci, non? Je me trompe. Ouais, il y a eu un souci, effectivement. Une mécompréhension de la part des Ado. Aïe aïe aïe. Peut-être de l'impatience du côté de Lucky qui a vraiment envie de jouer là, qui a pété un câble, qui a fait sur start. Du coup, je vais commenter un match qui n'est pas censé passer. Ah non, ok, Lucky a décidé de se laisser tuer. Ce sera plus rapide et plus simple. C'est dommage, hein, de taper une si belle corpulence. Hein. Mais ça va plus vite, hein. Je pense que Balrog fait plus de dégâts que Karim. Quoique. Non, elle a moins de vie, ça va plus vite. Ça va plus vite. Bon, bon, bon. C'est setup stream de dernière minute. Hein. Vous m'excusez, hein. L'ambiance n'y est pas. J'ai pas ma petite musique derrière. J'ai enlevé le son du jeu pour me concentrer moi quand je joue. Donc du coup sur un stream ça fait pas joli le silence comme ça là. Mais bon. Pour la prochaine fois on va essayer de faire mieux. On s'y est pris un peu en retard comme d'hab. C'est pas sérieux. Donc faudrait que l'IM Smash laisse sa place. Ça irait plus vite. Hein. Bon, il m'a l'air AFK. Pas grave, ça va tourner. Allez, on a Osre face à Dead. Akuma Balrog. Je sens que là, ça va faire mal. Hein. Le match, il va se jouer sur une seule ouverture de garde. Tu auras un stun d'un côté, c'est fini. Hein. Akuma, il est extrêmement faible. Osre qui s'est mis à Street Fighter il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, nous sommes dans la même team, mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer contre vous. C'est pour vous dire que je connais absolument pas son réel niveau ou sa façon de jouer. Donc, je découvre en même temps que vous, là, en même temps que les joueurs de la team Ado. Ok, cette tentative de V-skill là qui n'est pas du tout passée. Je pense qu'il a peut-être essayé d'anti-air là. Ok, le Ado qui trade directement avec la charge de Balrog. Ouverture de garde, l'overhead qui est bien gardé. La bonne punition directement derrière l'overhead. Bien vu de la part
Osrey. Ok, les deux joueurs qui startent. Osrey qui m'a l'air bien plus à l'aise dans ce match-up que contre Black Cat tout à l'heure. Le bon Shoryu. Ouh là là, le crush counter qui est passé. Le Shoryu direct en punition. Hein, le Akuma qui est présent. Là, la tentative d'overhead qui n'est pas passée. Le bon pressing en garde. Ouh là là, il a tenté un ado qui a été directement interrompu par le bas médium de boxeur. Aïe 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 aïe. C'est ça qu'il faut pas faire. Hein. Quand on est dans le coin, là, sauter, là, c'est pas bon. Soit tu fais un saut neutral pour tenter de carotte l'un des coups de l'une des charges de Balrog, mais lui sauter dessus, c'est pas bon, son entière est trop fort. Ok. Saut médium pour entière directement, bien vu. Oh, y a le saut qui est directement entière. Ok. La bonne punition. Il est présent là-dessus. Hein. Ça va qu'il a taffé un peu. Il a taffé un peu les punitions là. Okay, la dive kick là qui passe en garde. Le ado EX qui part là. Ouh là là, la charge EX placée au bon moment. Le petit chop reset. Ouh, double medium reset là qui passe bien également. Ouf. Balayette crush counter venu du turfu. Il n'a pas droit à l'erreur. Alors ça, il n'a pas droit à l'erreur. Sinon, ouverture. Ouf. Malheureusement, le Tatsu qui a 8 là, la chop, c'était chaud. La bonne garde derrière ce saut parce qu'il ne pouvait pas passer. Malheureusement, le Balai Punch qui tue Osrey. La team ado qui a l'air plutôt à l'aise. Prochain match, on aura quoi? On aura Soul Bison face à Hado Deg. Dead. C'est à moi de changer là. Merde. Ça c'est terrible, c'est moi le commentateur et c'est tout le temps moi qui suis à la bourre quoi. Donc les amis, je vous rappelle qu'on a déjà joué deux matchs dans ce nouveau set là. Il nous reste deux matchs. Donc si Soul Bison perd, il reste Samario. Et si Samario n'arrive pas à s'imposer, eh ben ça fera un deuxième strike de la part de la team Ado contre la team SFC. Ça fera mal. Ok, je ne connais absolument pas ce match-up. On va voir comment les deux joueurs vont gérer. Donc, d'entrée directement, l'entière qui passe, la bonne petite chop. Alors, Soul Bison qui se retrouve dans le coin d'entrée de jeu, mais son pressing lui permet d'en sortir. Donc, ok, la bonne punition, le médium. La boule de feu, les gros coups qui passent, le Devil Reverse pour passer de l'autre côté, le dash instant chop qui ramène son adversaire du côté gauche. Ok, la bonne ouverture de garde là dans le pressing. Pressing dans le coin, sous le poids là, le petit. Ouh, il y a un petit drop là qui est pas passé. La bonne chop, plus qu'un coup pour ouvrir le stun. Ok, activation V-Trigger, Balrog, ouverture de garde là-dessus. Il repousse son adversaire. Malheureusement, il a encore raté sur l'overhead. Faut qu'il fasse attention. Hein. Apparemment, les joueurs connaissent, ils se prennent plus l'overhead de Balrog. Donc, faudrait qu'il change. D'ailleurs, si vous faites attention, Smug, il hésite pas. Hein. Lui, il tourne directement, il met un low et ça lui réussit bien. Hein. Contre tout le monde. Hein. Ok, le bon pressing de Soul qui a directement mis son adversaire dans le coin là. Ouh là là, je sais pas si vous voyez un peu la barre grise là, comment elle descend. Même au-delà de la barre grise, les petits dégâts en rouge, chaque fois qu'il met des gros coups, ça fait vraiment mal. Hein. Le grattage, il est présent. Ok, cette bonne interruption de charge de la part de Soul, hein. Il hésite pas, il met de gros coups, il met de gros coups. Il gratte un maximum son adversaire. Faut faire attention, hein, parce que Balrog sur une ouverture de garde, ça peut faire très 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 mal. Ok, la déchoppe qui est propre, Soul qui se retrouve directement dans le coin après la finition. Ok, Soul qui tape en mythique, qui arrive à ouvrir la garde. Ok, le bon Devil Reverse là qui touche en anti-air, Soul. Voilà, il reste plus qu'un médium et c'est bon, le bon V-Reversal, une ouverture de garde et il pourra s'imposer dans ce match contre Hado Dead. La charge. Ok.
Soul qui tape, hein. Il n'hésitera pas à taper dès qu'il verra un Vez qu'il a activé dans la charge, il tapera. Hein. Ok, Devil Reverse, oulala, là là, le bon entier de Devil Reverse la chope. Dead qui est revenu, le comeback, est-ce qu'il va prendre cette game? Oulala, là là. C'était vraiment, vraiment, vraiment close. Et je pense que s'il l'avait pris, il l'aurait mérité. Hein. Parce que franchement, il a mis les bonnes punitions là où il fallait, il est revenu. Hein. Ça allait être un beau comeback. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas su gérer son ulti et Soul s'est embouché. Hein. Il a fait qu'appuyer sur les lights et les strip 5. On sait à quoi ça ressemble le machine. Hein. T'es jamais perdant quand tu mâches. Donc GG à Soul, voilà. Qui remporte le premier match de la team FFC dans ce. Dans ce. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a quitté. Qui est-ce qui a quitté? Qui est-ce qui a quitté? Je pense que Poastar a quitté la room afin de laisser sa place à Samario. D'accord. Karine face à Dictateur pour ce quatrième match de ce deuxième set. C'est du 2-1 pour la team Ado. Donc leur deuxième joueur face à notre troisième joueur. Donc c'est parti. Soul qui d'entrée de jeu charge sa barre un peu DX là. Il a réussi à ouvrir la gap. Ok, il y a eu un drop du côté de Lucky. Lucky. Ok, la bonne chop de la part de Soul qui remet son adversaire de l'autre côté. Dash chop directement au Mithy encore. Est-ce qu'il va le refaire? Non, il décide de tenter une chimie et diagonale HK. Ok, le bon entier là, il a provoqué le saut de son adversaire avec sa petite boule là. Ok, activation V-Trigger, Guren Ten Balayette qui passe. Le V-Skill qui a été bien vu de la part de Lucky qui a mis la garde et qui a puni derrière. Ouh, tour de garde. Il reste encore une charge pour son V-Trigger, la bonne garde, le bon pressing dessous. Ok, ouverture de garde là-dessus. Bon Guren Ten qui est passé. Ultra, non, il aurait pu mettre l'ultra. Je pense que, je ne sais pas. S'il avait mis l'ultra, il n'aurait pas tué Dictateur, mais il aurait quand même eu une chance de prendre le round. Moi, j'aurais pris le risque à sa place. Bon, il n'a pas voulu prendre le risque. Bon, là, pour le deuxième round, il a sa barre chargée à fond. La balayette qui passe en crush counter. Ouh là 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 là, malheureusement. Soul qui a fait un saut neutral qui a directement cassé, qui a fait whiff en fait le pif de Karine. Donc, directement, il y a eu un crush counter derrière. Ouh, bien vu! Il est passé sous la boule avec son dash spécial et il a directement interrompu le dash de Bizan. Bien vu, là le bon saut qui est passé. Ouh, il n'y a pas eu de confirme derrière. Beaucoup de drops de la part de Lucky là, depuis le début du match. On n'a pas vu un combo terminé totalement, c'est dommage. Soul qui a un bon pressing, qui le pousse dans le coin. Ouh, ouverture de garde sur un crush counter. Ok, gros point. Reka. Ouh, Devil Reverse qui crée l'embrouille là. Je sais même pas comment il a fait pour mettre la garde. Je crois que c'était de l'autocorrect. Aïe, 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 dommage. Dommage pour Lucky. Lucky qui a paniqué sur cette fin de jeu et qui a essayé de mettre son ultra dans l'éventuel. Je pense que c'était plutôt dans la diagonale HP de Bizan. Mais Soul a été serein et tranquille. Il a mis sa garde et ça a payé. Hein. Donc Soul qui élimine le deuxième joueur de la team. De la team Ado, donc joueur 3 contre joueur 3 dans ce set 2. Donc voilà, voilà. Donc là, on aura Soul Bizan face à Ado Liam Smash. Ok, veuillez m'excuser les amis. je vais pas tenter d'attentat, je vais pas faire péter de bombe ici, hein. Sinon c'est moi-même que je vais niquer. Non, c'était juste un rappel pour l'heure de la prière que je ferai tout à l'heure après le stream. Donc, voilà. Alors, est-ce que notre ami Adoliem Smash est là? Si, si, il est là. C'est bon, donc c'est parti. Donc, c'est notre cinquième match dans ce deuxième set. Hein. On a Soul Bizan. On aura Bizan face à... face à Colline.
J'ai jamais eu l'occasion de commenter une colline, je pense que ça va être ma première fois. Hein. Je connais absolument pas ses coups à elle. Plutôt bien classé, hein. Il est diamant. Donc on a un ultra diamant face à un diamant. Qu'est-ce que ça va donner? Oula. Ok. C'est bon. On y est arrivé. Ça a bugué, mais au final, on y est. Un petit bug. Voilà, je fais ça pour m'assurer que ça ne lag pas. Alors, d'entrée de jeu, les deux joueurs qui vont en bout de map et qui chargent un peu leur barre de EX. Donc, Soul qui arrive à ouvrir ce match-là sur un bon confirme là. Ok. Le V-Skill qui a touché. Donc, si je comprends bien, Colin après son V-Skill et la punition derrière. Hein. Son light kick m'a l'air pas mal fort aussi. Ok. Ouf, le bon V-skill là dans le avant HP, ouverture de garde. Ouais, ça glisse de partout. C'est quoi ce personnage? Ça veut absolument rien dire. Le bon chimie qui est passé derrière le truc EX. Après le retruc balai plus le V-trigger. Le truc encore qui passe de l'autre côté. Le truc qui lui a fait sauter. Les gars, c'est trop pour moi. Ok, elle a refait le truc EX et elle a refait un dash dessus. Ok. D'accord, Lien's match qui s'impose dans ce premier round avec beaucoup de trucs. Je vous avoue que moi, c'est pas mon truc. Fallait que je la fasse, excusez-moi. Donc moi, je vais dire le truc, hein. Ça ira plus simple. Ok, la bonne chope, l'overhead directement, le truc, la glace, le truc, le saut, plus la glace, plus le V-skill. Il n'y a pas eu de confirme derrière le V-skill cette fois. Peut-être que s'il faut que ça touche en tout. Ah, le V-skill, voilà. Il a mis le light, il a fait le truc EX, il a fait le truc balayette, il a fait le truc. Oh là 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 là. Le V-skill, tu le fais passer de l'autre côté. Alors, V-reversal, excusez-moi. Que va-t-il faire? Il a mis la garde parce que ça ressemble à n'importe quoi les setups de Soul. La bonne chope de Soul qui met son adversaire dans le coin. Le saut qui est directement puni de la part de Soul. Soul qui fait un saut neutral. Le saut neutral, ouverture de garde, un bon pressing. Le gros pied qui ne passe pas. Le truc. Plus le. Ah, mais moi j'en peux plus ce personnage-là. Truc glissade, ouverture de garde. Il fait truc glissade, il revient. Mais Soul a tapé dedans, il a ouvert la garde. Ni presse. Le pressing, tu sais pas d'où il sort. Bien vu de la part de Soul qui a réussi à s'imposer dans ce deuxième round là, face à beaucoup de trucs. Hein. Peut-être qu'il a compris le truc. Elle était pas mal celle-là. Hein. Donc, la bonne déchoppe de la part de la colline. Voilà. Soul qui en a eu marre. Dash avant HP directement. Redash, chop, Mitty. Avant HP, ni presse. Dans le truc, voilà, chimie dans la shop, et c'est le stun, bam, hey, brrr, boum, boum, abîme. Bon, j'avoue que c'est pas très, c'est pas très professionnel le bam, boum, bim, mais, hein, il y avait trop de trucs de l'autre côté aussi, et c'était impossible de commenter correctement ce match. Je ne savais absolument pas ce qui se passait. Donc après son truc, elle fait un dash. Après son truc, elle fait un saut. Elle rebalance de la glace. Ou après son truc, elle balance de la glace directement. Ou elle fait son overhead. Vraiment, c'est du mix-up hein, le personnage. C'est vraiment du mix-up. Je trouve que c'est dommage qu'on ne voit pas plus de Colin parce que franchement, c'est un personnage qui est pas mal. Je trouve. Je devrais peut-être penser à m'y mettre. Hein. Ça pourrait être intéressant. Donc. Eh ben écoutez, un Soul qui a réussi à battre trois joueurs de la team ADO et voilà qui va affronter le dernier joueur qui est Black Cat, qui l'avait sorti tout à l'heure. Est-ce que ce sera un oui? Oui? Tu peux inviter Ryuk dans la salle s'il te plaît aussi. D'accord, oui, je vais l'inviter. Il m'appelle là. D'ailleurs, je vais lui dire, je vais l'inviter. Super. Allez, Ok. je te laisse au Ouais, fond. Ryuk, je t'invite. T'inquiète. Dès que le match est fini, je t'invite. Ok? Ok, J'adore ta connaissance des trucs de Colin. Pardon? Non, tu nous as fait aimer. Ah ouais, avec les trucs, mec. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Ça, c'est du n'importe quoi. Je ne peux absolument pas commenter ça, mec. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Ah, mais moi, c'est un personnalité, hein. Merde, je ne connaissais pas. Ah ouais, mais c'est vraiment fort. Hein. Bon, le match a commencé. J'y retourne là, mon gars. Allez.
Ok, Soul qui est présent, hein. Il a appris de son dernier match directement. D'entrée de jeu, là, il a absorbé le Hadouken. Hein. Il est hors de question que ça se repasse comme tout à l'heure. Là, le bon pressing, là. Ouh, le bon Shoryuken qui est passé en counter-hit. Cool, Soul, il a correctement puni, y a rien à dire. Le V-Skill a été bien utilisé, là. Le Hadouken qui passe. Je pense qu'il y a une tentative de V-Skill de la part de Soul, ou je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Ok, le bon Nipress. Ok, le HK qui cancel directement le Hado EX. Bien vu, le Shoryuken qui n'est pas passé. Parce que Soul n'a pas continué son Devil River. C'est bien vu, là. Bien vu de la part de Soul. Le bon pressing dans le coin. Donc, Black Hat qui était présent pour la déchoppe. Hein, il sait ce qu'il fait. Donc, il a inversé les rôles. Balayette directement safeisé par le V-Trigger. Le bon Shoryuken, là, en entière. Le saut neutral, là. Alors là, c'est aller vite. Ouh, les gars, on sera déçus si je fais ça. Ok, merde. Ouais. Et il se passe quoi? J'arrive plus à l'enlever. Ok. C'est bon, j'ai trouvé la touche. Excusez-moi. On revient dans le match là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vois que c'est l'avantage pour Black Hat. Ok, le Devil Reverse EX qui a été placé pour directement. Ça n'a pas pu punir, malheureusement. La recovery du Hado EX est très rapide. Avant HK. Allez, bonne balayette. Solar Plexus. D'accord. Donc en fait, ce que Black Hat il fait souvent, c'est. Il met un certain pressing, il recule et il met directement un Hadouken après avoir reculé. Donc là, c'est l'ouverture de garde, des triggers de la. Pouf. Ça, c'est la phase de Soul, hein. Il me l'a fait, ça fait un mois, il fait tout le temps cette phase et ça paye, hein. Et ça paye. Malheureusement, là, Black Ass, qui n'a pas pu punir le Devil River sous V-Trigger qui passe derrière, il m'avait l'air plutôt bien connaître le match-up, donc ça m'étonne qu'il ne se l'ait pris. Qui sait, peut-être que c'est un Shoryu qui la drop, quoi. Donc, excusez-moi, les amis, moi je vais inviter Ryuk là. Donc, les amis, ça bug, hein. Ça bug extrêmement. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de mal à bouger là. Ok, c'est quoi ce bug encore? On reprend. Invité. Ok, je vais utiliser le clavier parce que là. Ryuk. Waouh. C'est quoi ce délire? Bon, les amis, on a un petit problème parce que mon PC il est en train de bloquer là. Ok, non, 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 c'est bon, il est revenu. Donc, invitation directement, on descend. Ryuk, t'es où? What? Ok, DS Ryuk. Donc, j'ai invité Ryuk qui va rejoindre la room. On attend que Ryuk rejoigne la room, les amis. Il est bientôt là. Je sais pas s'il a reçu. Je vais l'appeler. Je vais appeler Ryuk. Non, 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 mon gars. Non! Merde! Putain! Ah, je voulais appeler. Putain, manqué plus que ça. J'ai lancé la game. Et c'est moi. Bon, je vais me laisser tuer, hein. Je vais me laisser tuer. Est-ce que je fais le fou et je me mets à jouer? Est-ce que je fais le fou et je me mets à jouer? Aïe, aïe, aïe. Je vous avoue que j'ai bien envie de jouer, là. Non, faut pas faire le gamin, là. Il y a des gens qui attendent. C'est pas sérieux. Donc, ce n'est pas sérieux. Ah.
Voilà, fallait que je le fasse. Ah, je suis un gamin. C'est même pas marrant en vrai. Pourquoi je rigole? Alors, Ryuk, je t'ai déjà invité, hein. Donc s'il y a des joueurs de la team ado qui sont sur le stream en même temps, veuillez m'excuser les amis, hein, j'ai vraiment niqué là en appuyant sur la touche. Je voulais appuyer sur truc, j'ai appuyé sur Star par réflexe pour ouvrir le menu quoi, j'ai un peu niqué. J'ai un peu beaucoup niqué. Donc normalement Ryu qui devrait déjà être là. C'est bon, Ryu qui est là. Donc c'est reparti. Donc ouais, Samario, tu peux reprendre mon gars. Donc ça fait un set partout pour l'équipe SFC et pour la team ADO. Donc là c'est le dernier set qui va déterminer le gagnant de ce défi. Après je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un set de plus? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. C'était 3 sets normalement. Non, je ne pense pas. Mais je vais quand même me renseigner avec Sofiane. Alors, c'est parti. Alors, ça commence directement avec des trucs. Ah, ça fait beaucoup de trucs, hein. Mais Fang, il y a une bonne ouverture de garde à la part de Samario là. Il est présent, le boy, il est présent. Il est prêt à prendre son premier match de la soirée. Je le sens chaud là. Oh là, bonne ouverture de garde après un truc. Il met son adversaire dans le coin. Ça va partir sur des trucs encore. Ok, tentative de chimie qui n'est pas passée. Un truc avec de la glace. Balayette qui n'est pas passée, qui n'a pas été puni non plus. Ou bien c'était un medium. Je sais pas. Ça ressemblait à une balayette. Ok, bonne ouverture de garde de Samario. Samario, le bon petit pressing, la chope qui est directement des chopes, plein de trucs dans le coin. Un saut directement après un truc. Il se prend la petite flaque là. Ok, la bonne chope aérienne qui passe là. Anti-air, bien. Bien vu de Samario. Faudrait qu'il sorte du coin. EX, le dash, c'est devant. Ouverture de garde, GG. C'est propre ça, Samario. Il a bien joué. Bon, il a compris hein, les trucs qui sont pas passés là sur ce match. Ok. Ah, je pense que c'était un bas medium kick, ouais, c'est ça. C'était un bas medium kick. Donc il se prend la flap juste après. La flag, je veux dire, juste après ce saut. Samario. Et la petite garde. Colin qui fait beaucoup de bruit. Le V-skill qui est punissable normalement, mais Samario a pas pu le punir. Bonne punition derrière la balayette. Ok, le truc balayette, le truc overhead, directement combo après l'overhead. Mais je pensais qu'il y avait qui faisait ça, c'est de la triche. Ah là là, tentative de overhead une fois de plus qui a été carotte par Samario. Ok, ça c'est pas bien, c'est pas trop bien joué de la part de la colline. Là, elle s'est remise dans le coin. Ah, le devant derrière, ça c'était propre ça avec le dash. Ouh, ça c'était pas safe par contre, il n'y a pas eu de punition, il a eu chaud Samario. Ok, le petit light. Ouh, le V-skill qui est très très bien passé là. Non, c'est pas le V-skill, c'est une attaque spéciale, je crois. Ah, l'overhead directement derrière le V-trigger. Bien, le truc soft show. Pas passé. Ouh. Bon, là, c'était un peu n'importe quoi, les gars. Alors, le truc tentative de balayette, c'est pas passé. Le V-trigger qui a été. Ouh. Dommage pour Liam. Hein. Il avait ouvert la garde, mais malheureusement, il n'y a pas eu de confirme derrière. Et son coup a whiff et il a directement pris un counter hit par un light de Fang qui a une portée relativement correcte. Fang qui va devenir très 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 fort dans pas longtemps. Ou qui est déjà même très très fort. Je ne sais pas si la mise à jour a été appliquée avec celle de l'autre jour, mais bon. Donc là, Samario qui reste et qui va affronter Adoluki.
Soufiane, je vais te demander de revenir dans la room, s'il te plaît, pour réexpliquer un peu comment ça se passe, parce que j'ai pas trop compris ce que tu as écrit sur le chat, mon pote. Pour les 7 là. Ouais, Soufiane. Donc alors, ça se passe comment? Ok, les amis, Soufiane qui nous a lâchés en cours de route là. Ta connexion ne marche pas très bien. Bon, laisse tomber. On verra ça tout à l'heure après le match. Je reviens après le match. Anticipe et reviens après. Je vais commenter là. Ok, à tout à l'heure. Ok, bon. Lucky qui est en train de martyriser Samario dans le coin là à base de chope. Oh là 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 là. Il s'est tellement fait choper. Ça veut absolument rien dire. Hein. Bien vu de la part de Samario là. Azenka qui est passé, qui repousse son adversaire. Tentative du chimie qui n'est pas passé. Mais le coup d'épaule qui passe 2 fois d'affilée là. Ok, la bonne balayette. La bonne chope. Le stun. Ouf. La chope qui a whiff. Ouverture de garde. Aïe, aïe, aïe. Fallait que je la fasse, les gars. Bien joué. Donc, Adoluki qui prend son premier match face à Samario. Bien joué à lui. Donc, ça fait un partout dans ce troisième set. Bon, ce match qui a été relativement rapide. Hein. Franchement, il y a eu beaucoup de chops. Il y a eu beaucoup de resets. Et c'est Karine. Karine, ça fait énormément de dégâts. Et vous le savez, hein, c'est le meilleur personnage pour placer des chimies. Donc, c'est à l'éviter, c'est fini. Bien joué de la part de Lucky. Samario, il n'a pas trop eu le temps de comprendre ce qui se passait là. Donc, il y a quelqu'un qui a quitté la room. Je ne sais pas c'est qui. Samario a quitté la room. D'accord. Pourquoi? Ah, d'accord. Samario a quitté la room probablement pour laisser la place à Poastar. Ok. Donc, Poastar devrait pouvoir rejoindre sans que je l'invite. S'il n'est pas là. S'il n'est pas là après ce match, je vais quand même l'inviter, dans le doute. On a notre déesse Ryu qui fait son apparition sur ce troisième set. Ah, Ryuk, c'est un gros joueur au jour d'aujourd'hui. Hein. Il est chaud. J'espère qu'il va faire du bon taf là. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Ouh là là! Le mec qui a mis les thunes dans le petit skin pom-pom girl là. Hein. Un personnage du cœur, il faut. Hein. Je valide totalement. En plus, la couleur arc-en-ciel, il n'y a rien à dire dessus. Hein. Coup de fesse, bien comme il faut. Oh là là! Directement, le gros point dans le dropkick de Mika, c'est bien vu de la part. Est-ce que vous voyez les dégâts que Karine elle met? Ça veut absolument rien dire. Moi, je refuse ça. Allez, une deuxième chope. Troisième chope. Non, c'est pas passé comme ça. Et le medium kick qui a mis Ryu dans le stun. Ah, mais bien joué de la part de Lucky Ado. Hein. Vraiment très, très bien joué. Hein. Ok, ouais, c'est ce trade est en faveur de Ryu que malheureusement le Mitty est pas passé là, donc t'as Lucky qui a réussi à mettre un gros coup dessus. Oh là, le bond entier, le saut directement, oh, c'est propre. Ah, malheureusement il a pas pu reset, donc c'est une chope en Mitty qui est passé. Ah, la bonne chope de Ryu que dans la tentative de reversal de Lucky là. Faut faire très très attention parce qu'une seule ouverture de garde, ça peut faire très 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 mal quand Karine elle a sa super qui est chargée là. Ok. Le bon petit pressing. La chope qui met dans le coin. Ok. Le V. Skill qui est directement cancel par le V trigger. Le Mitty. Mais oui! Mais oui! Ce comeback de la part de Lucky Hado. De Hado Lucky plutôt, excusez-moi. Franchement, il a bien joué. Il n'y a rien à dire. Hein. Propre. Ah, il en veut un. Hein. Est-ce qu'il veut striker à son tour? Qui sait?
Qui c'est, qui c'est, qui c'est? Donc, il vient de sortir le troisième joueur de la team FFC, si je ne dis pas n'importe quoi, c'est bien ça. Donc, il a affronté Samario. Non, c'est le deuxième joueur. Et il a affronté Ryuk et Samario. D'accord. Donc là, normalement, il nous reste Soul, Bison et Power Star. Voilà, c'est ça. Du coup, Orsay ne fera pas ce set là. Ok, d'accord, c'est ça qui se passe. D'accord. C'est Orsay qui ne fera pas ce set. Autant pour moi. Je bouge. La team Ado qui a d'excellents joueurs. Hein. Franchement, d'excellents joueurs, il n'y a rien à dire. Hein. Black Cat surtout qui moi m'a beaucoup impressionné. J'ai beaucoup aimé son gameplay. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Ryu. Et voilà quoi. Moi, je trouve qu'il joue bien le perso quand même. Je trouve qu'il joue bien le perso. J'aime bien. Les saisons entières sont présents. Il a un bon jeu de boules. Ses pressings aussi sont bien. J'ai apprécié le voir jouer quand même. Hein, quand même. J'ai beaucoup kiffé. Après, il y a la Karine là qui est en train de qui est bien partie pour un strike là. Elle a quand même sorti Ryu qui est un excellent joueur. Qui est super diamant, donc c'est pas rien. T'arrives pas super diamant par hasard. Bon, les deux joueurs qui sont diamants à 14 000 là, notre Power Star et cette Ado Lucky, ça c'est le match-up du sexapile les amis. Hein. Oh là 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 là, pour l'instant c'est les plus grosses fesses qui sont en train de remporter ce match-up là, Laura, hein, le Brésil les amis, faut pas déconner avec le Brésil à hein, niveau sexapile là, je pense pas que l'Europe assume. Hein. Allez, c'est parti. Ok, enfin, l'Europe qui répond, hein. Aïe, y a pas que les gros boules dans la vie apparemment. Ouf. Ok, bonne ouverture de garde là. Oh là 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 là, mais l'Europe qui est absolument pas d'accord. Ouf. Aïe, c'est beau, hein. C'est quand même beau de voir Karine remonter comme ça et de quand même mettre, on va dire, la bite comme il faut là. Ah, bien joué de la part de Lucky là. Mais il ne faut pas se prendre de gros coups, ça va commencer à faire mal. Ok, le bon pif. Le gros pied qui n'est pas punissable. Là, des chops. Voilà, hein. Directement, il refuse de rester dans le coin. Il a essayé de sortir. Malheureusement, pour A, reculer, pour A, ça a pu punir. Ce mythique n'est pas passé. Activation, le trigger sur le gros pied. Gurenten, balayette, bien vu de sa part. Ok, le bon mythique qui est passé, qui a enchaîné sur Gurenten. Ah, ensuite, Gurenten, et il a mis la chop spé. Ouh, le drop! Ah là, ça va faire mal. Est-ce que c'est le comeback de la part de Power Star? Le 2 c'est top. Devant, derrière. Oh la bonne garde! Mais oui, Power Star, tu me fais rêver, mon gars! C'est comme ça! C'est bien là! Ça, franchement, franchement, faut du sang-froid. Il a fait son setup, il s'est arrêté. Il a dit, vas-y, vas-y, je sais que tu veux le mettre. Et bim! Il a puni comme il fallait. Je sais pas si vous avez vu là. Power Star sur le saut de Lucky. Il a eu une envie de mettre. Il a eu une envie de mettre l'anti-air, mais il s'est. Il s'est rétracté parce qu'il a vu que c'était un peu tard. Et ça, c'est bien. Tous les joueurs ne le font pas. Ouh, le crush counter qui n'a pas pu être puni là. Il n'a pas pu être confirmé plutôt. Excusez-moi, activation V-Trigger. C'est maintenant qu'il faut faire attention. Oh là là, mais bien vu de la part de Poasta qui ne se reprend pas les mix-up de Karine. Ah là 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 là, Poasta qui est revenu, qui va s'imposer suite à ce counter hit qui a directement été confirmé par le medium punch. Poasta. Est-ce que c'est son moment de gloire? Est-ce qu'il est fâché le négro? Est-ce qu'il est fâché? Bien joué, hein, pour Astar. Ça, c'était un beau match. J'ai bien apprécié là. Les deux joueurs qui ont porté leur couille et qui se sont rentrés dedans comme ça là. On se croirait aux États-Unis. Hein. Donc, les amis, hein, verdict. Écoutez, hein, le Brésil a de meilleures boules que l'Europe. Ça c'est connu, mais voilà, ça vient. On vient d'avoir la confirmation que non, l'Europe ne bat pas le Brésil en termes de boules. Ça n'existe absolument pas. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, Ryuk, faudrait que Ryuk lègue sa place. Ryuk, s'il te plaît, tu pourrais laisser ta place. Donc, dégage.
Ou pour Astar, à plus tard, et fait dégager Ryuk parce que là, on est en train de perdre du temps. Il est déjà 23h. On a perdu assez de temps comme ça. On ne sait pas ce qui est prévu de du côté des joueurs de la team ADO. Donc, faut pas non plus empiéter trop sur le temps des autres. Donc, là, directement, je quitte. Là, sous le bison. Attendez, excusez-moi là. Ouais, donc là, c'est 3-3 ou 4-3. Je sais même plus. Soufiane, tu peux m'envoyer un message me disant le score là, parce que là, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? On a tous tourné, pourquoi? On a battu le troisième... Non, c'est le deuxième joueur là. Ok, donc là, maintenant, c'est à Liams de jouer. Non, c'est à Dead. Ok, d'accord. Poastar, Dead. Ok, on a battu leur deuxième joueur. Et Poastar, c'est notre troisième joueur. Soul n'a pas joué. Ok, bien. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Poastar. Peut-il strike? Non. Il s'agit plus d'un strike là parce que Lucky était le deuxième joueur de la team ADO si je me trompe pas. Donc non, il n'y a pas de possible. Non, c'était le premier joueur. Ouh là là, moi je suis complètement perdu là les amis. Donc c'est parti. Bon, je pense que eux ils savent où ils en sont donc moi je me contenterai de commenter, on verra bien, on verra ça plus tard. Ouh là 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 là, il n'y a pas de punition derrière ça. Ça, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est une erreur hein, parce que une chope comme ça là, c'est chaud. Ok, là, le bon chimie. Ah, le devant. La chope qui passe. L'adversaire est déjà mid-life. Et il lui reste 40% d'HP. La bonne garde de la part de Poastar. Mais malheureusement, il va se prendre la chope. Il va se retrouver dans le coin. L'overhead qui n'est pas passé. Le medium directement confirmé par le V-Trigger. La phase devant encore. La chope qui passe. Devant, bien vu de la part de Poastar, mais oui, Poastar, c'est comme ça, mon gars. La Laura de Poastar qui commence à être à l'aise là dans ce défi là face au ado. Allez, bonne ouverture de garde. Ok, le mythique qui a pas été confirme. Ok, Dead qui se laisse pas faire, mais qui va se retrouver dans le coin là après avoir poussé son adversaire. Ça, c'est pas bon face à Laura. Ok. Voilà, le petit juggle là, l'overhead qui est passé, il n'y a pas eu de confirme derrière malheureusement de la part de Poassar. Poassar qui est en dessous de confirmé suite à ce petit pressing là. Oh là là, mais bien vu sur le mythique. Donc Poassar qui s'impose également face à Hado Dead. Bien joué mon gars, bien joué. Ah ouais. C'est malheureusement Balrog là, donc là il n'a pas trop. Il a pas vraiment. Ces deux joueurs s'étaient affrontés tout à l'heure. Hein. C'était un peu le même match-up. Là, c'est allé extrêmement vite. Et ouais, c'est ça. Il a essayé tout le temps de casser en fait la Laura dans ses pressings. Et c'est ça qui est pas bon, quoi. Ben ça, c'est quitte ou double et contre Laura, voilà, tu perds, quoi. Soit tu prends crush counter, soit tu prends une activation de V-Trigger dessus et c'est pas bon du tout. Je pense que c'était pas le meilleur des choix, mais bon. Je pense que s'il avait été peut-être un peu plus safe et s'il avait attendu les bons moments pour punir Poa, je pense que ça serait mieux passé. Ou qu'il aurait il doit bourrer aussi. Je pense que Balrog a un coup armor. Ok. Ah mais non, putain. Voilà. Donc Balrog, il a un coup armor. Donc quand ça commence à partir en couille, surtout ne pas hésiter à le mettre dans le. Dans le pressing de Laura hein, parce que c'est inconnu perso il est un peu craqué là-dessus sur le machine quand même il est un peu craqué hein. Laura Urien les persos du machine de permet Rachid également donc ouais ben bien joué à Poastar hein. Il joue bien jusqu'à présent. Alors là, on a pour moi la star de l'équipe ADO, le Black Cat là. Lui, il est méchant, lui. Hein.
Lui, c'est un méchant. Il fait pas partie des gentils, les amis. Hein. Mais regardez-moi ça, mais ça veut absolument rien dire. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi un tel medium kick pour Laura? Moi, j'ai vraiment pas compris ce qu'il y aurait fait à Capcom de faire un truc comme ça. Hein. Ok, donc Black Cat qui se reprend en main. Là, l'activation V-Trigger pour directement mettre l'anti-air. Ok, la chope en multi, c'est propre. Ok, la dash en multi. Allez, et c'est le stun. Non, il reste un petit coup, un petit coup. Volt Charles. Medium, medium. Allez, anti-air. Et c'est bon pour Astar qui prend le premier round là-dessus. Face à la star de la team Ado, Black Cat. Est-ce que un set va suffire à Black Cat pour télécharger son adversaire et s'imposer dans ce match-là? Le bon petit pressing de Black Cat. Il retient un backdash, il n'y a pas eu de backdash, mais il s'est pris la bolt charge. Ok, le bam et jump punch en anti-air, la bonne des chops, le bon du petit décalage, le Ado qui passe. Ouh, la tentative de Ado EX a été punie par la bolt charge EX de Laura, mais il n'y a pas eu de confirme de la part de Poastar là-dessus. Ok, le bon anti-air Shoryuken. Voilà, Black Cat qui pose son jeu petit à petit, son jeu de boule va commencer. Voilà, activation V-Trigger. Ouh là 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 là, ça c'est chaud. Oh, mais Poastar, mais d'où viens-tu? De quelle planète? Sur quelle planète t'es allé train, mon gars? Ça c'est. C'est quoi ça? Cette garde au bon moment dans les pifs là, pourquoi? Voilà, les mythes, hein. Ça c'est une phase de Street Fighter, les lights en mythes là, ça. Allez, est-ce qu'il y aura une bonne ouverture de garde là? Est-ce que quoi, Star va pouvoir s'imposer? Non! Bonne entière de la part de Black Cat qui revient dans ce match là, en prenant le deuxième round. Ouais, c'est chaud, hein. Les deux joueurs sont présents dans le milieu du game là, ils sont un petit peu loin. Je pense que si Poastar n'avait pas drop tout à l'heure après son bon setup V-Trigger, il aurait quand même pu gagner ce round-là. Donc, ok. Donc, début de round, tu as l'avantage de Black Cat. Hein. Black Cat qui a bien imposé son jeu. La chope qui est passée. Hein. Mythique tentative de sur la PlayStation, ce qui n'est pas du tout passé. Ouverture de garde sur le saut là. Ok, setup devant. Activation V-Trigger. Là, ça va faire très 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 mal. Oh, tentative de chimie. Oui, la chope dans le V-Reverse. Oh non, la chope qui est pas passée. C'est chaud. Qui se retrouve dans le coin. La tentative de Bolt Charge EX qui n'a pas été punie correctement. Le Ado. La chope encore, la chope. Non, oui. Là, je comprends ce que c'est fini. Oh, Fred! Ah, mais Black Cat qui a extrêmement bien joué là. Il n'y a rien à dire, c'était propre. Hein. Il nous a vendu du rêve. Il a fait un excellent combat qui est franchement GG à lui, comme je le disais. Hein. C'est un joueur qui est très bon. Qui est très bon. Je le vois loin s'il continue à jouer. Moi, j'apprécie le gameplay de ce mec. Hein. C'est cool ça. Très bon Ryu. Pour Astar, c'est dommage, c'est dommage. Bon, tu as quand même éliminé trois personnes de l'équipe adverse, donc mec, t'as pas démérité du tout. T'as pas démérité, t'as fait un bon taf et puis GG à toi. Hein. Merci, merci de nous avoir donné une possibilité de gagner ce dernier set ou ce troisième set. Je ne sais pas si c'est le dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Astar? Mais pourquoi as-tu mis une chope comme ça là? Je sais pas. C'est comme si, mec, t'es là, tu mets une chope, t'es à moins 35 000. Tu peux pas faire ça, man. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça c'est comme si une pute monte sur un navire viking. C'est vraiment se donner, mais sale. Ils vont la violer, après ils vont la déchiqueter, ils vont la jeter à la mer. C'est exactement ce que t'as fait, mais tu fais pas une chope comme ça devant quelqu'un, non. Non. Allez, allez, c'est reparti. Allez, sous le Black Cat. Allez, ouais. Ça c'est le. C'est vrai que c'est le. Comment dire? C'est la rencontre finale entre ces deux joueurs, quoi. Le premier match, c'était Black Cat qui s'était imposé. Le deuxième match, c'est Soul qui avait gagné. Et maintenant, on est dans le troisième match. Ils sont à peu près à égalité au niveau des HP, là. Ok, le bon pressing de Soul. Ok, tentative de Shoryu qui a été un peu en retard. Donc, le saut de Soul qui est quand même passé, quoi. La bonne des chops. Ok, le bon Nitresse là qui arrive à interrompre le Hadoken sous V-Trigger. Voilà, le V-Trigger de Ryu qui est fini. Ok, le bon Shoryuken en entière. Ok, le bon Mythique qui est réussi. Ah, malheureusement là, c'est pas réussi. Soul a réussi à interrompre là. Tentative de light. Qu'est-ce qui va se passer devant, derrière? Ah, oh, ben vous avez vu? GG, hein. Ça, c'est vraiment bien joué de la part de Black Cat. Donc, c'est ce qui s'est passé au dernier match. C'est ce que je vous avais dit. Parce que Soul l'avait terminé de cette façon. Et je vous avais dit que Black Cat, on a vu qu'il avait mis un light.
Et j'avais pas trop compris ce qui s'est passé, mais c'était effectivement un drop parce qu'il avait tenté de Shoryu. Donc voilà, là il a prouvé que ouais, il connaît le personnage et qu'il est présent. Il est présent dans le milieu du game là quoi. C'est un boss Shoryu pour tuer Soul. Bien joué de sa part. Hein. Voilà, Soul qui a mis un bon pressing, le Devil Reverse là qui est pas passé, mais par contre le dash chop là qui a directement intercepté le dash de Ryu. Le bon Reverse Soul, le mythique qui est bien réussi de la part de Black Cat. Bon, celui qui directement place un Veriversol pour repousser son adversaire. Oh là 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 les gars, je sais pas si vous avez vu, c'est ce qu'on appelle un sandwich mec. Le mec il l'a écrasé entre ses pieds, la boule là, ça faisait mal. Hein. Ça fait de bons dégâts. Ok, Soul qui est dans le coin, c'est pas bon du tout. La chope de Soul qui passe, qui remet son adversaire dans le coin là, le bon petit pressing de Soul, faut faire attention au pif. Et cette ouverture de garde sur ce HP, bien joué de la part de Soul là. Ok, donc ça c'est la balle de match là, mais c'est vraiment la balle de match. Quand je dis balle de match, c'est balle de match quoi. Hein? Ok, ouverture de garde dessous, il n'y a pas eu de confirme derrière. Ok, chop direct après le Nupress, il était positif. HK qui est pas passé. Oh, cette balayette là qui est pas bonne du tout. Il y a une bonne punition de la part de Black Cat. Ensuite, il y a la chop. Le double saut de Black Cat la chop directement. Celui qui tente des HP pour s'avancer, la ouverture de garde là-dessus. Ah, c'est pas passé malheureusement là. Ouh, mais ça veut absolument rien dire. Mais comment il est passé derrière? Non, ça c'est un peu trop fumé là, c'est allé trop vite. Ah, l'entière qui est pas passé malheureusement. Malheureusement. Ah, mais Soul qui tente. Mais non, mais non. Il vient de lui mettre une knuckle douce. Ça ne se fait absolument pas. Je ne valide absolument pas Soul. T'es un enculé, t'es un enfoiré. Mais GG d'avoir gagné. GG mon gars. GG, GG, GG. Ah là, je suis salé pour Black Hat parce qu'on a bien vu que sur les dernières phases de ce round-là, il savait ce qui allait se passer, mais il n'avait pas les bons timings. Et ne pas avoir les bons timings sur Street 5, c'est fatal. Et GG à lui. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que le défi est fini ou bien est-ce que le défi continue? Le défi continue-t-il? Je pense que le défi continue. Peut-être que ce n'est pas fini. Donc on a Soul face à Adodead. Attends, il se passe quoi là? Soul a laissé sa place. Pourquoi? Soul veut-il laisser sa place à Ryuk? Je pense que Soul veut laisser sa place à Ryuk. Je pense que le défi n'est pas encore fini, les amis. Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc Ryuk a repris le lead. Il va affronter Adodead. Donc, alors là, je ne sais plus où on en est parce que moi, je suis perdu. Je pense que j'ai peut-être que j'ai compté un match en moins. Non? Oui, non? Ouais. J'ai peut-être compté un match en moins. Donc, je ne sais pas. Donc, Soufiane, tu peux revenir sur le stream, s'il te plaît. Parce que là, je ne sais plus trop ce qui se passe. Il faudrait que quelqu'un m'explique. Je pense que le troisième set vient de finir en notre faveur. Donc, ça fait 2-1. Ouais. Tu m'entends, Soufiane? Ouais, donc en fait, ouais, non, c'est bien ça, c'est FT3, mais après, ça va être un peu long, donc Soufiane est en train de voir avec notre équipe si FT3 ça leur va ou Ah, bah ça du leur coup, est pas. on a relancé, donc tant mieux. Allons-y sur un FT3, hein. Tout le monde est reparti pour jouer là, donc c'est parti, on y va. Ouais, voilà, je viens de relancer en fait, donc la personne demandait quoi. D'accord, ok, c'est Poa là? Ouais, c'est pas grave. Ouais, t'avais bien joué, Ah, mec, mais hein. Ça super. allait pourtant. Hein. Bon, allez, c'est reparti. Ah ouais, qu'est-ce que faut? C'est pas un bouton de check, non, c'est pas un bouton de check. Ok, d'accord, ils sont carrément en train de se. Ah non, il y a un souci. Ok, et Ryuk qui a arrêté de jouer, pourquoi? Sûrement parce qu'il y a un lag. Ok, ça doit être ça, Ryuk qui dit que ça lag. Donc apparemment ça Ça lag. lag, ça lag pour lui. Ça lag. Mais ça, on peut pas. Ça, c'est de quel côté ça? C'est du côté de qui ça? D'accord.
Donc c'est qui lag? C'est le Balrog ou c'est Ryuk? Ça lag pour lui et Ryuk aussi voit que ça lag, donc à mon avis c'est le truc qui a... Ok, d'accord. Du coup, je vois dans ce cas-là. Non, ils prennent pas le match. Non. Vous refaites le match en fait. D'accord, ok. En fait, il se passe quoi? Voilà. Bah du coup, à moi j'ai envie de jouer à la Refaites le place de match, c'est Ryuk, ça? hein. Allez, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Ah oui, mais t'as pas été annoncé pour ce soir, toi t'es juste Oui, commentateur. je sais, ouais, je sais, t'inquiète. Si Ryuk relague contre Deck, on change l'ordre de passage, on mettra quelqu'un d'autre. Avec l'accord de Deck, qui vient de me le confirmer. Ok, petit bug avec le stream. Excusez-moi les amis, donc je suis de retour. J'étais parti chercher quelque chose à boire vite fait. Ok, c'est parti directement. Ryuk, ok, activation V-Trigger en début de match. Je sais pas comment ça s'est passé là, en moins de 20 secondes. Ryuk a eu le V-Trigger. C'est parti. Ok, la bonne chope dans le coin. La chope normale, c'est bon, il a mis tir à la relevée. Gros point, Verriversoul qui a été gardé. Ouverture de garde sur un saut. Allez, c'est parti pour un tour. La chope et c'est le stun. Et on aura A. Ok. Relativement rapide ce match avec beaucoup de violence. Ryuk s'est imposé. Ok, le bon overhead qui est passé. Enfin, l'overhead il est passé depuis tout à l'heure. Ouh là là. Les gars. C'est passé une couille là. Que s'est-il passé? J'ai rien compris. Merde. Moi, j'ai failli faire la même erreur que tout à l'heure là. C'est bon, c'est reparti. Hein. Donc on n'est pas des gars qui vont faire des problèmes, hein. Tout simplement, le match il a quitté, on reprend tout à zéro, c'est tout. Et c'est tant mieux pour le Balrog. Dead, c'est tombé sur dead, 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 dead. Voilà, Ryuk qui commence toujours ses matchs comme ça et charge un peu sa prochaine chope. Ok, la chope qui est passée directement après le bas gros point. Il y a la chope normale qui est passée. Le saut vide. Le petit pressing. Le petit pressing, le gros pressing. Allez.
Le crosscutter là qui est passé sur le chimie. Ok, la bonne chope de la part de Dead. Dead qui s'extirpe du sol, du coin tant bien que mal là. Voilà. Il met un jeu normal, il est posé, il essaie de punir, il n'arrive pas. Le bon petit live de la part de Rick. Voilà, une très très bonne punition derrière derrière la tentative de balai de Rick. Néanmoins, il a cancel tout ça par l'overhead. Et c'est pas bon pour faire autre chose que l'overhead. Parce que là, les mecs, ils connaissent. Hein. Ils connaissent. Il y a eu au moins 5-6 overheads, voire plus même, et il n'y en a qu'un seul qui est passé. Ok, dead. Ok, la charge directement cassée par le medium kick. Ah, le bon saut. Carotte la chope de Ryu qui passe derrière et qui finit directement avec un medium. Et qui confirme. L'adversaire se retrouve dans le coin. L'activation des triggers et c'est parti. Allez, hey. Gros point. Medium. Medium. Light. Ok, ouverture de garde. Activation des triggers. Ça va faire très, 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 très mal. Oh, mais je rêve. Ryu. Les gars. Cet enfant, mais cet enfant, mais ce mec, il est écœurant, il m'exaspère. Franchement, il est dans mon équipe, mais ça c'est sale. Ça, c'est sale, ça. Pourquoi? Bon, c'est un excellent setup, c'est un excellent setup. Parce que, mine de rien, tous les Balrogs qui vont faire la phase, en fait, là où ils vont enchaîner plusieurs fois, ils vont comme celle avec le V-Skill et ils vont tenter soit l'overhead, soit ils vont tenter de mettre un light, un low. Et là, en fait, vu que personne ne réagit, en général, tout le monde se dit, bon, je dois mettre la garde, je dois aller défensivement, personne n'attaque. Mais en vrai, c'est une bonne façon de faire ça. C'est bien vu de la part de Ryuka. Je trouve ça dégueulasse, mais c'est bien vu. Et d'ailleurs, je vais la lui voler, celle-là. Parce que ça, c'est vraiment bien, j'avais jamais pensé avant. Donc, Ryuk qui prend le premier match de ce troisième set, de ce quatrième set, excusez-moi. Ryuk, hein, le connaissant, je pense qu'il a vraiment envie de striker l'équipe ADO. Alors, on a la Karine de l'équipe ADO qui fait son grand retour. Là, est-ce qu'elle va nous offrir du beau jeu comme tout à l'heure? Un magnifique comeback? Oui, non. Ouverture de garde qui n'a pas été confirmée de la part de Karine derrière le dash. Le bon light en anti-air. Le dash devant derrière qui a mis la garde par Ryu. Ryu qui saute un peu n'importe comment et qui trouve une ouverture de garde là-dessus. Le bon saut neutral qui a interrompu qui a marché en anti-air sur le drop de Hermika. Hermika qui s'est retrouvé dans le coin et qui a fait sortir son adversaire du point. Le saut neutral derrière le. Un bon gros point qui est bien passé. Ok, il a tenté de sauter et il s'est pris. Oh là là. C'est ça, hein. Quand tu te retrouves dans les pressings de Mika, tu paniques, tu essaies de sauter parce que tu penses à la chope. Et au final, elle fait quoi? Elle continue à taper, c'est ça. A savoir que Ryuk est une Mika qui tape beaucoup. Hein. Il préfère taper que Carotte avec des chopes. Et quand mentalement t'es fini, c'est là qu'il fera des chopes. Sinon, il tapera toujours. Hein. Souvent, soit les chopes ils te les sortent nature, soit ils te le fait pas souvent dans un pressing en fait. Regardez, hein, je pense pas qu'il va sortir de chop comme ça. Le bon gros pied là. Faut faire attention à la Karine qui a bientôt son V-trigger. Elle a son V-trigger et sa super qui les deux qui sont chargés là. Pareil pour Ryu qui n'a plus de super. Et là, au moment où tu penses pas, bim, il utilise sa chop. Et il s'impose 2-0 face à Ado Lucky. Bien joué de sa part. Ryuk qui vient de prendre son deuxième match. Donc si on continue sur cette voie, il reste deux joueurs du côté Ado. Donc il nous reste peut-être deux matchs avant la fin de ce défi. Vous m'excusez, je mange en même temps, j'ai faim, il est déjà 23 h, demain je dois me réveiller à 8 h, c'est un peu compliqué.
Gagner du temps. Allez, donc c'est reparti là. Alors on a Ryuk encore face à Black Cat. Je sais pas si Ryuk avait joué, non. C'est leur première rencontre entre ces deux joueurs là, Ryuk Black Cat là. Black Cat, hein. Voilà, son bon petit pressing habituel et directement back. Oh, mais bien joué! Bien joué l'entière qui est là. Hein. Ah, ça, fallait y penser. Hein. Ça va, il connaît le match-up. Il sait très bien comment il doit réagir face au dropkick de Mika. Bah, là, il a essayé de taper, mais c'est pas bon. La tentative de devant, derrière de la Ryu qui est pas passé. Mais là, directement la chop après le reset. Bien vu. Le back dash balayette pour punir la chop de Ryu. C'est bien vu de la part de Ado. Le joueur de Ado qui prend une ouverture de Gacha sur ce Ado. Quel ah, le truc qui est pas passé. C'est si, je suis désolé pour lui. Ryuk aurait peut-être dû tenter un crush counter, mais c'est bon, il arrive à s'imposer. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Il avait bien joué, mais là, il a craqué. Il a mis un Shoryu au mauvais timing et c'est pas passé. Hein. Ok. Oulala, là, il a tapé en mythe. Il a réussi à contrer, mais il a tenu de bons dégâts. Et là, il y a quand même une bonne punition derrière. Le light kick derrière le drop. Devant le Solar qui est c'était bien vu. Le Ado EX qui passe, mais malheureusement Ryuk tape toujours Mitya à la relevée. Il en a strictement rien à foutre. C'est pas un mec du respect ce mec-là. Et donc, ce qui fait que Black Cat se les prie. Ok, ouverture de garde sur ce saut là de la part de Ryuk qui met son adversaire dans le coin. C'est parti pour les setups habituels derrière Mika. C'est du devant derrière, du n'importe quoi. Il saute, voilà, il s'est fait punir. Voilà. Black Cat lui a dit ça suffit, j'en ai marre. Faut faire très attention. Ryuk a toutes ses ressources qui sont pleines, il a 100 elfes sans des triggers et il compte pas mourir sans l'utiliser. Et c'est la fin. C'est la fin de ce match. Ryuk qui s'impose plutôt tranquillement, on va dire, face à Black Cat sur ce troisième match du 7-4. Donc Ryu qui reste un seul match, s'il bat maintenant l'IEMS match et ses trucs, bah. Ça fera un strike de la part de Ryuk et ça sera une sorte de revanche hein, parce qu'on avait pris un strike sur le premier set. Donc, ça ne sera qu'un retour naturel des choses. Voyons voir tout ça. Donc du coup là, Dead doit laisser sa place. Moi, je dois laisser la mienne juste après. Et c'est Liam Smash qui doit reprendre. C'est ça. Voilà. Donc Lucky doit laisser sa place. Est-ce que Lucky a joué? Lucky a-t-il joué? Ouais, Lucky a joué. Ah, Lucky a déjà joué contre lui. Donc c'est Yams match. Ok. Donc Yams match n'a pas accepté. Est-ce qu'il est AFK? Que se passe-t-il? Soufiane, active-toi, informe-nous de la situation. Ou c'est un autre joueur qui veut prendre le dernier match. Ah. Ah, c'est fini apparemment. D'accord, ok. Donc autant pour moi. Donc les amis, je suis au regret de vous apprendre que en fait, le défi est terminé. Par une victoire de la team FFC, donc 3 c'est 3-1, ouais, c'est ça, qui s'est imposé 3-1 face à la team Ado. Et donc voilà.
Bah c'est fini. Attends, Adou, il y a Oui. quelqu'un qui n'a pas joué. Hein. Il y a quelqu'un qui a pas joué, c'est ça? Ouais, pardon, Pauline. Voilà, c'est ça, je me disais bien, il reste un Ouais, match, c'est pas fini. Ok, c'est d'accord. bien ça. Ouais. Donc les gars, je suis pas con parce que sur le chat de la team FFC, les gars, ils écrivaient ouais, bien, bien joué les gars, bon, à demain, tout ça, ils faisaient comme s'ils avaient remporté déjà la Coupe du Monde et tout. N'importe quoi. Donc on est reparti pour ce dernier match les amis. Mika face à Colline. Allez c'est parti. Elle a fait un truc, elle a refait un truc, elle a refait un truc, et elle a refait un truc. Et au final il s'est rien passé. Okay. D'accord. Oh le bon vice qu'il l'a, bien vu de sa part. Hein. La Colline. Ok, bien vu sur la glace là, qui a directement pris Ryuk en entière, c'est bien vu. Ok, là le bas mid-jump qui a fait whiff le saut de Ryuk qui a eu la chope derrière. Là il y a le truc qui ramène Ryuk dans le coin. Il y a le setup mid-tier à la relever. La bonne chope pour carotte levée reversal. La chope encore. Et il lui reste plus qu'à ouvrir la garde. Ah là là. Ryuk est vraiment, c'est vraiment fou pour ça. Hein. Vraiment qui est tout en train de taper en mid-tier. Et le bon truc en entière pour terminer ce match. Le bon V-Trigger, excusez-moi. La Colline qui se met souvent dans le coin. Enfin, c'est vrai que le personnage a une certaine facilité à en sortir, mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire contre Ermika parce que. Ok, ouverture de garde avec le V-Shield, bon confirme derrière. Malheureusement, là, il y a un reset que Ryuk a bien repris. Activation V-Trigger, ça va faire un setup de malade. Là, la garde qui est bien mise de la part de la Colline. Punition derrière ce V-Skill raté, bien vu de la part de Ryuk. La chope en mid-tier à la relever bien dans la tentative de attaque SPX. Et c'est le stun, donc ce sera un partout du côté des deux équipes. Alors, je vous explique. Soit Liamshad bat Ryuk et arrive à battre les deux autres joueurs de la team FFC, les trois autres joueurs de la team FFC, soit il perd contre Ryuk là et c'est la fin. Donc, le bon des skills. En attendant, Liamsmatch qui est en avantage là, dans ce premier. Oh là 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 là, mais c'est propre là, c'est cette entière, c'est propre. Donc, on a un overhead combiné à la boule qui est pas un très bon combo. Ok, il y a la chope de Ryuk qui va remettre l'adversaire dans le coin. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'il a mis? Il n'a pas de multi malheureusement. L'autre, il a tenté un truc avec un dash qui est pas safe apparemment. Il se retrouve dans le coin et là, ça risque de faire mal. Il faut qu'il garde. Il faut vraiment qu'il garde. Voilà. Ok. Il a mis un bon medium et il a confirmé derrière dans la tentative de dash avant de Ryuk. C'est bien vu. Ouais, il a mis plein de trucs partout et Ryuk s'en est pris hein, sans faire exprès. Donc là, c'est chaud. Mitya à la relevé. Il prend la chope et c'est fini. Et là, officiellement, la team FFC qui bat la team ADO sur ce dernier set là et ce dernier match. Bien joué de la part de Ryuk. Hein. Et Ryuk est un peu fou. Franchement, il est un peu fou. Il est un peu fou. Si vous respectez, vous pouvez pas. Et il saute énormément, 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 énormément. Mais il a bien joué. Et grâce à lui, on a pu s'imposer 3-1 dans ce défi-là. GG. Donc, on remercie la team ADO. On les félicite également pour ce défi. Elle avait du bon niveau, on a eu de bons matchs et c'était extrêmement plaisant. On espère pouvoir refaire un défi avec eux à l'occasion. Donc, merci à tous les amis d'avoir suivi le stream. Moi, il faut que j'aille manger et que j'aille dormir. Donc, je vous dis bonne nuit les gens, bisous, bisous, ciao tout le monde.